ben bien le bonjour, bien le bonsoir. Eh ben namasté à tout le monde, hein, bien sûr. Ben, je suis en partance. Bon, ça fait déjà un moment que je roule. Hein, il est 21h20. Je suis parti, il était à peu près 19h. Direction Avignon en premier. Ensuite, on va voir Michel Le Geek. Hein. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne YouTube, allez vous abonner à Michel Le Geek. Ensuite, j'espère avoir quelques collègues là-bas. Hein. Rachid, Philippe, Jonathan, peut-être Gengis Road. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, eh ben pareil. Si j'y pense, je mettrai les liens dans la description des deux chaînes YouTube. Là. Gengis Road et Michel du Sud. C'est, ouais, c'est ça. Et puis voilà, on va déjà aller se balader un peu dans le sud de la France, essayer de rencontrer un peu de monde, tranquillement. Et puis ensuite, je vais remonter sur le côté gauche de la France, La Rochelle, tout quoi là, quoi. Je vais remonter tout doucement tout le long de la côte, là. Et ensuite, direction Le Mans, pour aller voir Yannick. Il fait une petite soirée le 15 août. Alors, pour aller voir Yannick, et puis il y aura Mika des routes. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, ben, allez voir Mika des routes. Il y aura, normalement, il y aura sûrement la Carafred. Pareil, si j'y pense, je mettrai toutes les chaînes dans la description, mais je ne sais pas si je vais y penser, quoi. Après, c'est vrai que ça se passe beaucoup sur Instagram aujourd'hui. Je ne fais plus grand chose. En tout cas, moi, je ne fais plus grand chose sur YouTube. Hein. Ça se passe beaucoup sur Instagram, Tech Roulette. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, tous les jours, tous les jours, tous les jours, des lives, hein, tous les soirs. Bah, venez sur Instagram, quoi. Là, je me suis dit, ouais, je commence la vidéo, je ne sais même pas si ça en fera une ou pas, on verra. Mais je commence quand même à faire une vidéo, on verra bien à la fin si j'en fais quelque chose ou si j'en fais rien. Bon, en tout cas, voilà. Direction le sud de la France, déjà. Quand je serai au Mans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. En tout cas, je vous fais tous des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, bah, le fil de la vidéo, pour vous, c'est dans une seconde. Pour moi, il y a encore des kilomètres et des kilomètres à faire. Quoi. Je suis passé que par la nationale. Hein. En fin de compte, je ne prends pas d'autoroute payante. S'il y a de l'autoroute gratuite, je prends. Sinon, je ne prends pas. Voilà, que de la nationale, voie rapide, etc. Du gratuit, du gratuit, du gratuit. Voilà, tranquille, on roule pépère, on se balade. Bon, c'est la nuit. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais faire toute une traite. Moi, en général, je suis comme ça, quoi. Je fais tout d'un coup, je suis un peu un cinglé, mais c'est comme ça que j'aime bien rouler d'un coup, faire tout d'un coup. On verra, peut-être j'aurai envie de m'arrêter, si je suis fatigué un moment, bah, je m'arrêterai, je dormirai un petit peu, et je repartirai le lendemain, quoi. On verra bien, quoi. Mais je pense que je vais faire tout d'un trait, quoi. Voilà, là il est 21h22, finalement j'arrive vers 4h, 4h30, quoi. Bon, je pense qu'on va faire tout d'un coup. Puis, bah, peut-être on se sera déjà vu sur Instagram parce que normalement le soir il y a toujours des lives sur Insta, alors sûrement que je vais faire la balade en même temps sur Instagram, quoi. Allez, je vous fais les bisous et je vous dis à plus tard pour le reste de la vidéo. Namasté. On a Michel qui nous fait un tuto comment monter une tente. Voilà, alors là pour l'instant il vient de poser, il a déjà compris qu'il fallait poser la bâche au sol, puis maintenant il va essayer de se débrouiller avec les piquets là. Voilà. Je filme pas la tête, hein. Je filme pas ta tête, Michel. D'accord, promis, tu vois, merci, on verra pas ton visage, tu vois. Tu vois, on te verra pas, Michel. Tu vas me foutre la honte. Non, on te verra pas, Michel. On te verra pas. Ouais, on te voit pas. J'ai coupé la tête. Okay. Voilà. Bon, je fais pause, hein, parce que ça va durer longtemps. J'ai continué la vidéo. Comment faire pour monter une tente? Oh putain, ça va être fantastique. Elle va être super cette vidéo. Elle va être top. Beau, j'ai passé pour un con. Mais franchement, je ne vais pas dire le contraire. Je dirais que tu as passé pour un con, oui. Ben oui. Alors là, il a trouvé maintenant comment mettre le bon côté, l'ouverture, devant, derrière, quoi. Au début, il l'a mis à l'envers. Ouais, mais pas de zic, Rachid, tu vas nous faire couper le live. Voilà. Il y a du pilote de rallye là. Ouais, un petit tabac. Ouais. Michel, campeur de père en fils. Comme tu peux venir tant que je te lèche les pieds. Là. Là après tu vas me lécher les pieds dedans, je te le dis. Moi. Même que quoi, il faut les crocher après. Michel, énorme. Pour ta première fois, t'es fier ou... Ouais, mais tu m'as aidé. Non, la honte, franchement, t'as réussi à le faire quand même. Après, ouais. Bravo.
Ben, la honte. Franchement, je te mets ta première étoile de Van Lifer. Bon, non, je suis pas un Van Lifer. Première étoile. Ben, étoile, flocon. Un flocon. Y a pas de honte, moi, je m'en non, fous. Non, mais je te mets ton premier flocon. Voilà, merci, monsieur. Voilà, premier flocon. Il n'y a pas de honte. Non, premier flocon est fait, c'est bon, tu vois, nickel. Ben, mais bon, du soleil là-bas. Où ça? Là-bas, quand là-bas. Il ne filme pas, je te assure. Il y a le coucher du soleil là-bas. Quel salaud, il va me passer ça sur la honte que je vais avoir. Non, c'est sur YouTube, ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est sur YouTube, Michel. C'est pas sur Instagram, bon, c'est sur YouTube. Je assure, mais pas santé sur YouTube. À toi. Hein. Ah, mais t'as mis sur YouTube, là, direct. Ouais, non, ce sera sur YouTube, ça. Assure. Mais t'es bien, t'es beau gosse et tout. Allez voir Michel du Sud sur sa chaîne à YouTube. Non, c'est ça, Michel du Sud. Ouais. Il faut qu'il arrive aux 1000 abonnés. Faites-le arriver à 1000 abonnés, soyez gentils, bande d'enculés. Ouais, je sais pas. Allez. Hein, en plus, il a réussi à monter la tente tout seul. Ouais, tu m'as aidé, Eric. Mais t'as filmé, de toute façon. Voilà, après. Je m'en fous, hein. J'ai voilà. Honte, hein. Après l'alcool, voilà ce qui se passe. Mais non, je suis pas sous du tout, tu vois. Il a pété le pas le oh. Après un peu d'alcool, les mecs commencent à baiser des arbres. Ouais, je ne pèse pas, j'y donne mon amour, mon âme. Et chant que tu bandes, Michel. Pas du tout, tu vois. Merci de me donner ton oxygène. Michel, je sens que la vidéo elle va être spécialement faite sur toi. C'est une enfoirée, toi. Bon, on a fait un peu les fous, hein. C'est clair. On n'a pas dormi et puis on est monté au Mont Ventoux pour faire le lever du soleil là. Puis là on est en train de redescendre, d'un coup il y a des nuages de malades qui sont arrivés, on voit plus rien. Alors là c'est vraiment d'un coup le brouillard de fou comme ça, on voit absolument plus rien. Mais par contre j'ai fait un time-lapse avec l'iPhone, ouais, il est un truc de malade. Je me demande même d'ailleurs si je vais pas le mettre... tout seul comme ça sur internet, parce que franchement il est hallucinant le time lapse. Et d'ailleurs j'ai déjà vu des trucs comme ça, mais alors jamais un truc pareil. Bah c'est bizarre ce que je viens de dire, je vais recommencer, tu vois, j'ai jamais vu un truc comme ça, franchement hallucinant quoi, en montagne et tout, un changement comme ça j'ai jamais vu quoi, c'est hallucinant quoi. Franchement si vous avez un jour l'occasion de venir, franchement, venez voir monter le matin au lever du soleil. Franchement, c'est un vrai spectacle de la nature, quoi. Un vrai spectacle de la nature, quoi. Bon, après, par contre, il faut avoir des freins. Parce que ça descend, ça descend, ça descend. Si vous restez tout le temps le pied sur le frein, à un moment, ça chauffe. Hein. 1830 mètres ici. Col des Tempêtes, ça s'appelle. Là, tu peux monter là aussi. Ouais. Ben, là, tu peux remonter. Là. Ouais, ouais, j'ai une marque qui m'avait amené, je vais y monter là. Hein. Là, d'un coup, pouf, il n'y a plus de nuages, tu vois. Quand t'as vu, là, on était en plein dans les nuages, c'était un truc de fou. Hein. Côté lune. Putain, c'est hallucinant. Quoi. C'est beau quand même. Franchement, c'est très beau. On est venu là de nuit, là, on s'est arrêté. Et puis, on a attendu que le soleil se lève. Là, on redescend, il fait jour. Franchement, c'est très joli. Bon, ben réveil vendredi, 13h. Hein. On s'est couché vers 7h du matin. Je viens de me réveiller là. Je lui prépare le petit thé pour Michel, le petit café pour moi. On va déjeuner tranquille. Puis après, il va démonter sa tente. Il va rigoler un petit peu quand il va démonter la tente. Hein. Et puis après, il va faire l'ascension du Mont Ventoux à pied. Et puis moi, je vais remonter en voiture. Et je vais l'attendre en haut. Et puis comme ça, j'aurai le temps de m'amuser à faire quelques vidéos, etc. Et de faire la petite sieste aussi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. En tout cas, il y a du soleil. Il fait beau. On est bien tintin. Fin, bien tintin. Michel, tu démontes sa tente maintenant. Il a presque compris comment il faut faire. Bon, t'as bien dormi ? Oui.
Bon, bah c'est bien. Ok, mais à 10h du matin, il t'a chaud dedans. Ah oui, ça, le soleil, ça chauffe. Ouais, j'ai une sale gueule. Ouais, c'est le nord du sud, hein, c'est le nord du sud. Ouais, ça chauffe ici. 600 mètres d'altitude, ouais, c'est vrai. Bon, bah il va démonter sa tente, puis après il va grimper à pied, et puis moi je vais monter en bagnole, quoi. Allez, à plus tard. Alors, allez, on est parti, ascension du Mont Ventoux. Et vous voyez, Michel du sud, là, il est en train de grimper à pied, lui. Attends là, Michel! Il va se faire la grimpette à pied. Voilà. Moi, je vais monter en voiture, tranquille. Il fait beau temps. Bon, il est quand même presque 15h. Hein. Et 15h moins le quart du mat. Ouais, hier soir on a fait un peu les fous, hein. Pour ceux qui étaient sur Instagram, on a été les poubelles, il va falloir que je m'arrête pour jeter les poubelles. On a été un peu foufou, quoi. On est resté jusque 7h et des boulettes en haut du Mont Ventoux. Pour ceux qui n'ont pas vu, ben, regardez sur la chaîne, hein, j'ai mis une vidéo à timelapse à du ciment. Voilà. Franchement, super moment, tu vois. Après, bon, ça dure que 30 secondes le timelapse, mais pour nous, le spectacle, il a duré presque une heure, quoi. C'était top du top, voilà. Et sans faire de pipeau, hein. J'avais jamais vu ça de ma vie. Des nuages qui apparaissent, qui repartent et tout, avec les vents et tout. Hallucinant, quoi. C'est pour avoir en vrai. Petite technique pour faire du pain grillé, tu vois. Et quand on n'a pas de grille pain, on fait comme on peut. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Bon, ben voilà ce que ça donne de jour. Hein. Le toit du monde, hein, quand même. T'es que roulée, elle est là. J'attends Michel maintenant. Bon, à mon avis, il va mettre un bon moment avant de monter. Hein. Parce qu'il y a une sacrée balade. Hein. Là, vous le voyez, là où le courageux Michel. Là. Il s'arrête, il fait des photos, il filme. Il fait son petit truc, mais il a encore une sacrée grimpette à faire. Il n'est pas arrivé. Là, vous voyez là. T30 Pro, il se démerde. Hein. x15 là. C'est plutôt propre. Hein. Parce que sinon, il est très loin. Je vais vous montrer. Là, je suis au max. Hein. Sinon, regardez. Hop. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal. Hop là, il est là-bas. Il est sur la droite, en haut à droite. Alors je vais vous montrer où il est Michel le geek, le fou là. Il est là-bas. Vous voyez là? C'est lui qu'on voit là. Il est en train de grimper encore, tout doucement. Il a presque fini. Hein. Bon là je l'ai eu au téléphone, il est fatigué. Il est un peu fatigué et vous le voyez là, en train de grimper. Tout de blanc vêtu. Et vous voyez comment que c'est. Il y a encore un beau morceau. Avant d'arriver où je suis là, il reste encore une belle promenade. Il est là. Hop, ici. Voilà, il est là. Un bon zoom, ce T30 Pro. Ah, il s'arrête. Il fait la pause. Ah, il m'a dit qu'il faisait des petites pauses hein, de temps en temps. Il filme, il fait une vidéo pour sa chaîne, allez la voir, hein. Michel du Sud. Et puis il fait des photos, il se repose un peu. Ça doit être dur et dur. Hein. Il y a du courage, il y a du courage. Allez, on attend qu'il remonte un peu plus. Bon, re à tout le monde. Voilà, on est samedi. Ouais, on a dormi. Alors c'est un barrage. Hein. Je crois que c'est Val-à-Brég, mais je suis pas sûr. Hein. Je redemande à Michel. Bon, bah, ça nous a bercé la nuit, là. On a dormi comme des bébés. Voilà, on est garé juste là. Tranquille, Michel il a monté sa tente derrière. Bon, il fait gris. Hein. Comme quoi, il fait pas beau des fois dans le sud, le nord du sud. Là, c'est gris. Franchement, là, on va se barrer, on va aller à Istres voir des collègues. Alors, j'espère que vous allez m'entendre, hein, parce qu'il y a, les cigales, elles sont déjà énervées. Et puis après, bon, on verra bien s'il fait beau, on ira à la mer. S'il fait pas beau, on lâche l'affaire. Quoi. On va juste faire une petite rencontre, tchatcher entre potes.
Et puis voilà quoi. Mais donc ça nous a bercé le bruit de l'eau là, tranquille. Puis j'irai pas plonger quoi, mais voilà quoi. Mes petits coins dans la nature tranquillement. Voilà, personne. On a été pépère toute la nuit. Personne nous a cassé les couilles. On est bien Tintin. Voilà. Eh ben écoute, fin bien Tintin, désolé. Bah allez, gros bisous, à plus tard. Nous on est reparti là. Et puis on ferait quelques conneries plus tard quoi. Voilà. La vidéo elle va être longue, hein, je suis désolé, mais. Eh ben bien le bonjour, ben le cinéma continue pour la tente. Arrête tes conneries. Déballage, remballage. À l'arrache. Le remballage, il est presque pire que le déballage. Mais non, on s'en fout, on va le déplier ce soir. On va me bat les couillons, hein. Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir à tous, et namasté. Namasté à tout le monde. Voilà, c'est bon. Michel, il est déjà en méditation, là. Ça y est. Il médite. C'est presque prêt. Voilà, bravo Michel. Mais attends. On fait un coucou? Salut, non, mais je veux pas qu'on me filme. Bon, voilà, ben là, on va décoller, on va aller près de la mer, là. On décolle, on est samedi 7, il fait pas très beau, hein, c'est très gris. Mais bon, on va faire avec, hein. Je sais pas si on va aller à la playa, parce que s'il fait pas beau, je vois pas l'intérêt. Quoi. T'as beaucoup Michel quand même, hein. Ils sont contents, tu vois. Allez, bisous à tout le monde, à plus tard. Bon voilà, on est venu faire un petit tour à Marseille. Bon, c'est le bordel, la circulation, c'est un truc de fou. Et c'est joli, hein. C'est joli. Voilà. Le soleil est en train de se coucher. Puis on a la bonne mer, juste ici. Je vais faire un petit zoom. Voilà, hop, déjà. On va zoomer. La bonne mer. Voilà. C'est joli. Mais il y a du monde quand même. Et il fait pas beau. Voilà, comme quoi dans le sud, il fait pas toujours beau. Hein. Aujourd'hui c'était la plage normalement. Là on a été au bord de l'eau mais on ne s'est pas baigné. Hein. Voilà. Et je vous refais un petit tour. Comme ça. En ultra grand angle. Oh c'est joli par contre. Voilà. Allez à plus tard. Les bisous. Bon, c'est bien, il y a des palmiers, ouais. Il y a des gens qui se promènent, mais voilà, c'est tout gris. Voilà, c'est tout gris. Alors la plage, c'est foutu. Voilà, ça c'est le sud. Bon, ben là, on peut pas être plus proche de l'eau. Voilà. C'est pas possible. Après que ça, c'est pas possible. On est à Carry-le-Rouet, pour ceux qui connaissent pas. On va aller faire un plouf. Tranquille, hein. Allez à plus tard. Bon ben je viens juste d'arriver, je sais pas si vous savez à qui c'est le camion là. Ben voilà le monsieur, le propriétaire du camion. Comment il s'appelle? La Tarte. C'est la Tarte? Alain Delouin, c'est ça? Alain Delouin, c'est toi Alain Delouin. Ben allez voir sa chaîne, Gengis Road. Voilà, on est dans un coin, petit tranquille là. Bord d'un étang, pépère. Le matin il sera rose, mais... Tranquille. Et voilà quoi. C'est la Van Life. Voilà. Ah, c'est, je croyais que c'était par le sel. Moi. Allez, je vous fais les bisous. À plus tard. Bon, ben là, on est à l'abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet. Alors, c'est Michel et Jean-Guy, hein, Gengis Road, qui m'avaient fait découvrir cette abbaye. J'avais très envie de la voir à l'intérieur. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va aller à l'intérieur, on va aller voir ça. On a même l'orgue. Trop joli. Hein. Thank you.
j'ai éteint la lumière. Même dans une église, j'arrive pas à être sérieux, c'est fou ça. Bonjour, rebonsoir. Bon, aujourd'hui j'ai pas filmé grand chose, on est lundi, hein. Je suis parti d'Avignon vers midi je crois. D'ailleurs tiens rigolo, j'étais prendre un café et chier un coup chez McDonald's. Ils m'ont demandé le vaccin. Voilà. Première fois, bah, ils m'ont demandé si je l'ai vacciné, il fallait le QR code, machin et tout quoi. Voilà. Bon bah, vous savez comment ça va se passer dans pas longtemps. Hein, bon ben bah, voilà. Ensuite je suis parti, j'ai roulé un petit peu. Alors je crois que j'ai pas filmé, hein, j'en sais rien du tout. Mais je me suis arrêté au lac du Salagou là, pendant 2 heures. J'ai été me baigner, tranquille et tout. J'avais un peu la tête dans le cul quoi. J'ai été un peu me baigner, machin et tout. Puis je suis reparti. Et là direction chez Lolo, l'Odyssée Family, si vous connaissez pas. Bah, pareil si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Je devais être là-bas ce soir à 19h, mais bah, voilà, il est déjà 21h43, quoi. Voilà, je suis arrivé dans 20 minutes. Bon, bah tant pis, hein. Je vais rester ce soir dormir là. Et puis Lolo, il avait prévu le barbecue pour ce soir. Il m'a dit, on le fera demain à midi, quoi. Je vais rester un petit peu quand même avec lui l'après-midi, je pense. Et puis après, je me casse, quoi. Voilà, je pense que demain, en fin d'après-midi, je vais repartir. Et puis bah, direction côté La Rochelle et compagnie. Quoi. Voilà. Vous savez un petit peu l'histoire, j'ai pas filmé aujourd'hui quasiment. J'y pense pas. Franchement, c'est des trucs j'y pense pas. Mais voilà, j'ai vu pas mal de beaux villages en tout cas. Parce que là, je suis vraiment en train de faire la traversée de la France du nord vers le sud. Et là, je suis reparti vers le côté ouest, sud-ouest. Et après, je vais remonter jusqu'au Mans. Quoi. C'est presque la Tour de France quoi, à la fin. Peut-être que ce sera la Tour de France quoi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Je suis désolé, j'ai pas filmé grand chose. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Tranquille, on se promène. Et puis je ferai sûrement un petit résumé à la fin de cette vidéo ou une autre vidéo, j'en sais rien, je sais pas, on verra. J'avais pas prévu de faire de vidéo à la base, j'avais dit que j'en ferais pas, puis j'ai commencé à en faire une. Et puis voilà quoi. Mais après c'est vrai que souvent moi j'y pense pas à filmer. Hein. Je préfère profiter du moment, je pense pas trop à filmer et faire des photos. Bon ben voilà, tant pis. Voilà. En tout cas, vous saurez plus ou moins ce que j'ai fait aujourd'hui. Quoi. Voilà, là, on est lundi, je vais arriver chez Laurent dans 20 minutes, et puis après, on verra bien. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, puis ben, pour la suite, vous verrez ce qu'il y a, je sais pas encore quoi. Allez, bisous. Et namasté surtout. Bien le bonjour, bien le bonsoir. Bon, sur la route pour aller chez Laurent, je me suis arrêté au lac de Salagou et je crois que je vais rester un peu là. Voilà, je vais me baigner et tout. Ah, je vais l'appeler pour lui dire que je viendrai plutôt demain. Voilà,
Ça a l'air sympathique. Je vais aller faire un peu plouf plouf. Ça va me faire du bien. Voilà. Lac de Salagou. Il y a un petit truc, tranquille. On va se poser là tranquillement. On va se baigner un peu. À la plus tard. Bon ben rebonjour, rebonsoir. Je pars de chez Laurent, le lycée Family. Hein. Je pars de chez lui, il est 15h. Il y a la 4L devant, la voiture collector. Et direction Royan. Alors je vais faire la Charente-Maritime là et puis la Vendée, tout ce coin-là là. Je pense que je vais peut-être remonter jusqu'à Pornic, on verra, je sais pas. Et après de là, redirection vers Le Mans. Pour être là-haut le 15, aujourd'hui on est le 10. Moi j'ai 4 jours là tranquille, je vais pouvoir me balader un petit peu, pépère et tout. Et puis après, hop là, hein, on va essayer de pas la couper la 4L, voilà. Bon ben là maintenant je continue ma route, direction Royan, je sais pas quelle heure je vais arriver, on verra bien. Hein. Et puis tranquille chat, il fait beau, il y a du soleil. On se promène, on va aller profiter un peu de la mer. 800 mètres. Je vous laisse pour le reste de la vidéo, pour ceux qui sont encore là. Hein. Et puis namasté à tout le monde, et puis à plus tard. Moi je continue ma petite route. Allez, bisous à tout le monde. Bon ben voilà Lolo en mode cuisinier. Tu fais un coucou pour Instagram ou pas? Faut faire. Salut tout le monde. Et namasté bien sûr. Ouais, namasté. Bon voilà, on est à Royan, bord de la mer, tranquille le chat. On va aller se baigner parce que ça va être marée basse. Et après je suis baisé quoi. Alors, il faut marcher hein, un petit peu. Voilà, je suis garé juste là-bas. Je vais vous montrer, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une place juste là. Voilà, je suis garé juste là, tranquille. C'est que j'ai eu de la chance. Et puis on est bien tintin. Hein. Voilà, fin bien tintin. Voilà, il fait beau, il y a du soleil. Bon voilà, ce matin on est à Fouras encore, on va partir sur l'île d'Aix avec les petits bateaux là, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà. Bientôt marée basse j'ai l'impression, alors je sais pas si je vais pouvoir prendre sur, ça a l'air blindé, ça va être compliqué cette histoire. Bon, on verra bien, allez je vous dis à plus tard. Bon ben voilà, aujourd'hui j'ai rien filmé. Mais bon, j'ai fait pas mal de photos, j'ai mis sur Insta. On est à Fouras. Fouras. Et ce que vous voyez au bout là-bas, ben, c'est Fort Boyard. Voilà. Je vais faire un zoom. Vous allez voir. Hop. Là-bas, il y a Fort Boyard. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, ben, j'ai rien filmé aujourd'hui. Mais j'ai profité de la plage toute la journée. Je me suis baigné ce matin à Royan et puis cet après-midi ici quoi, à Fouras, et peut-être demain je vais aller à l'île d'Aix. Alors on verra bien demain si j'y vais ou pas. Voilà, c'est court mais ce sera déjà ça quoi. Voilà, en tout cas c'est sympathique hein. Sympathique. Par contre le parking ici c'est super payant. Moi heureusement j'ai la carte handicapée, ce qui fait que je vais pas payer quoi. Voilà. Allez, bisous, à plus tard. Bon, voilà, nous voilà arrivés sur l'île d'Aix. Bon, il fait toujours pas beau. Hein. Normalement, l'après-midi, ils ont assez beau temps, j'espère. On va aller se promener, on va voir. Voilà, tout doucement, tranquille. On arrive là avec le bateau. Et puis après, c'est parti, mon petit chat, quoi. Bon, il faut espérer qu'il va faire beau, quoi. Plutôt. Bien compris. Hein ? Allez, ça commence, les gosses. Voilà, ça, c'est que du plaisir. C'est que du bonheur. Allez, je vous fais les bisous, à plus tard. Bon, c'est rassurant, il y a des gilets de sauvetage. Au moins, s'il y a un problème, pouf quoi. Hein, voilà. Allez, à plus tard. Bon, ben là, on fait un petit tour à La Rochelle, hein. C'est mouvementé. Hein. Il y a du monde. C'est Mégéva qui m'a dit de venir dans le coin là. Merci à elle. Et ouais, ça bouge. Hein.
Il y a du monde, il y a du monde. On va remonter dans les petites rues, là, on va aller voir ce qui se passe. Alors, il y a des restos, des bars, des trucs comme ça. Hein. À mon avis, c'est un peu ça, quoi. Puis là, il y a des gens qui font de la musique et tout. Ça a l'air sympathique. Ah, La Rochelle. J'étais me baigner aujourd'hui. Puis maintenant, bah, on va faire un petit tour ici. On va aller casser un petit bout et puis boire un petit coup. Passer la soirée tranquille. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Bon, bah, je viens de me poser un petit resto japonais là. Jamais essayé, c'est l'occasion quoi. Puis bon, bah, là-bas, comme vous voyez, il y a un marché et tout. Après, j'irai faire un tour. Il y a plein de petits bouibouis là. Il y a plein de monde, c'est blindé quoi. Merci. Après, on ira voir ça quoi. Voilà, tranquillement. Ouais, deuxième plat, il arrive. Quoi. On va tester ça. Allez, à plus tard.